Hey yo à tous et à tous, c'est Ekar et on se retrouve aujourd'hui les gars pour une nouvelle vidéo. On est là pour obtenir la carte d'accès d'un garde de l'IO. Donc tout simplement les gens, je vais vous montrer comment l'obtenir facilement et qu'est-ce qu'une carte d'accès. Il y en a beaucoup qui le demandent, est-ce qu'il faut tuer un garde de l'IO, est-ce qu'il faut l'estorquer, comment il faut, est-ce qu'il y a des gardes spéciaux, etc. Je suis là pour répondre du coup à toutes ces questions. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker et à mettre le code créateur Bokuni en boutique. Merci à tous ceux qui le feront, vous êtes déjà énormément à l'avoir mis, donc merci encore et j'espère qu'on va encore agrandir cette nombreuse famille qui du coup la écarte et Bokuni Corp, j'ai envie de te dire, voilà. En tout cas les potes, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est dans la description et dans les commentaires épinglés, vous allez pouvoir gagner énormément de choses. Donc là on a du coup 1500 V-Bucks à faire gagner avec le skin revêtement, on a également 500 V-Bucks de la part de Madrot, c'est un abonné, on a aussi du coup une pack Ferrari les gars, donc voilà, il y a pas mal de choses à faire gagner, pas mal de petits trucs et tout, donc n'hésitez pas à rejoindre notre serveur Discord pour pouvoir gagner des items gratuitement sur le jeu. Donc sur ce, let's go aussi pour les emplacements du coup de la carte d'accès de IO. Et voilà les gars, du coup pour trouver la carte d'accès d'un garde IO, il faut tout simplement donc déjà trouver une base IO. Donc vous avez l'habitude depuis le début de saison, il y a donc des bases actuellement. Donc là par exemple il y a une antenne radio juste à côté, c'est celle où je vais aller. Il y a une autre base à côté de Slurpee, donc juste ici. Ok, il y a une autre base encore une fois à côté de Misty Meadow. Il y a pas mal de bases, hein. De toute façon vous allez voir, vous parcourez un petit peu la map et donc tous les endroits où il y a des antennes radio, ce sont des bases IO. Vous avez également du coup Dirty Docks qui comprend une petite mini base juste ici, donc où il y a des gardes IO également. Donc voilà, tout simplement il va falloir vous approcher d'un garde et je vais vous montrer du coup comment avoir la carte. Et voilà les gars, du coup j'approche d'une base IO. Tout simplement regardez, on a un garde juste en face de nous, il va falloir le tuer et du coup récupérer sa carte. Alors hop, voilà, du coup je l'ai tué et vous allez pouvoir voir que du coup il y a une carte d'accès qui pop donc juste en dessous de lui. Donc tout simplement vous la prenez et du coup ça validera votre défi. Hop là, regardez en haut à gauche et voilà, gardez-la bien, vous en aurez besoin. Et tout simplement du coup les gars, le défi est terminé, on va pouvoir passer à la prochaine étape. En tout cas voilà, n'hésitez pas si cette vidéo vous a aidé à liker, à vous abonner et à suivre du coup les prochaines vidéos. On a fait tous les défis, donc voilà, si vous avez été aidé par ce défi là, n'hésitez pas à regarder les autres qui vous aideront tout autant. Sur ce, ciao, stay car, portez-vous bien et puis c'est tout.